Bonjour à tous, j'espère que vous passez une excellente journée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Maeva Genam. En effet, hier, Maeva est partie avec sa mère au restaurant et quand elle est revenue chez elle, elle a retrouvé son jardin en feu. Des personnes ont mis le feu à son jardin et ont lancé des pierres sur sa maison. Maeva a pris la parole, elle explique tout en détail et elle montre même des images de vidéosurveillance. Je vous laisse avec la vidéo, abonnez-vous, likez et n'hésitez surtout pas à commenter. Chez moi, ils ont jeté des bâtons, ils sont rentrés chez moi et tout. Ah, c'est trop. Je jure, je suis en train de péter les plombs. Parce qu'aujourd'hui, c'était l'anniversaire de ma mère. Je suis partie dîner tranquillement avec ma mère. Et pendant ce temps-là, on a mis le feu chez moi. Et on a acheté des bâtons chez moi. On est rentré carrément dans mon jardin. Je suis en train de serrer. Et je vous jure, heureusement, aujourd'hui, j'avais deux gardes du corps. De sécurité, grâce à Dieu, il n'est rien arrivé ni à moi ni à ma mère. C'est très grave d'avoir mis le feu chez moi. Donc, vous avez mis le feu chez moi. Vous avez fait des vidéos en plus où vous avez fait tourner que vous avez mis le feu chez moi. Vous êtes rentré dans mon jardin. Sauf que chez moi, je vous explique, chez moi, c'est les baumettes. Ça veut dire que autour de chez moi, il y a des lasers, il y a de l'alarme partout et tout. Vous n'avez pas réussi à accéder dans la maison. De toute façon, il n'y a rien à voler chez moi. Mais vous êtes fini parce que il y a la police. Vous allez bien voir. C'est un truc de fou. On a essayé de mettre le feu à ma maison. Genre, ils ont eu le feu, ils ont eu de l'essence partout autour de ma maison. Et les pompiers, ils sont venus. Et ils ont tout éteint. Et genre, aujourd'hui, je suis sortie. C'était l'anniversaire de ma mère. Je suis partie dîner au resto. Je suis partie manger au petit Nice. J'avais deux agents de sécu. Je vous jure, en vrai, je l'ai senti. Alors que quand je suis à Cannes, quand je suis à Paris, je prends de la sécurité. À Marseille, je ne prends jamais de sécurité. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je l'ai senti. J'ai pris de la sécurité. Mais sur la tête de ma mère que vous allez voir. Vous, vous pensez que tout va bien se passer sans impunité. Sauf qu'il y a la justice. Vous inquiétez pas. Ouais, regarde, là, ça marche. Ils sont deux. Mais on voit mal. Oui, mais pour avoir les bonnes vidéos, il faut que j'appelle le centre, il va me les envoyer. Ils sont rentrés dans ma maison, frère.